Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de My Time at Portia. Je viens de me rendre compte que je vous bloque l'accès à la caméra. Pas aux objectifs, pardon. À cause de la caméra. Voilà qui est mieux normalement, donc ça devrait être mieux, ça devrait être bon, je devrais pouvoir vous voir sans problème. C'est pas trop mal, on est bon. C'est parti. J'ai oublié. Voilà, c'est bon. Donc, on a plein de choses à faire, j'ai déjà perdu énormément de temps dans ma journée, c'est génial. J'espère qu'il flotte pas comme c'était la dernière fois. Verdict ? Non ! Génial ! Coucou ! Pourquoi ça lag ? Peut-être que c'est le début. Folie ! Nouveau builder, et toi, oui, je m'en rappelle de ça. Ça coûte cher en termes de... Tu veux ? On va aller miner. On va profiter de cette journée pour aller miner. Bonjour. Wouah. Alors, il y a eu une autre fixe. Depuis l'autre fixe, j'ai l'impression que je vais laguer. Bonjour, Builder. Oh, mon cher. Ne serait-ce pas un disque de données? Vous savez ce que c'est? Bien sûr, je sais ce que c'est. C'est ce que les anciens utilisaient pour stocker des informations sur leur technologie dans l'âge de la corruption. Et c'est extrêmement dangereux parce que ça a une chance, il y a une chance que ce petit objet puisse contenir le plan de la destruction du monde. D'accord ? Ça va pas être si terrible que ça, non ? Ah, ah, what ? T'as quoi ? T'as 18, 19 ans ? L'ère des ténèbres est probablement juste une... Pour toi, c'est juste un conte de fées qu'on t'a raconté quand t'étais gamin. Quand j'étais plus jeune, moi, par contre, ma grand-mère m'a raconté directement son point de vue de cette époque-là, au moment où les gens vivaient sous terre dans des ruines. Elle a vécu des jours et des jours sans nourriture. Tout le monde pensait que... Tout le monde se battait uniquement pour les choses les plus basiques et les plus simples de la vie. Les gens étaient considérés comme vieux et donc prenaient trop de ressources quand ils atteignaient les 30 ans. Merde alors, j'y suis presque. En tout cas, c'est toujours très sombre. Imagine ça, c'est la fin du monde. C'est comme ça que la fin du monde ressemblait. Et ça a été créé par le même genre de technologie qui est à l'intérieur de ce petit disque. Quoi qu'il en soit, je vais pas essayer de te faire peur, trop tard, mais c'est la réalité de ton système de builder, enfin du business de builder. Toutes les technologies dangereuses que tu trouveras dans le monde devront être amenées ici et expédiées dans leur entièreté pour destruction, etc. Comme on l'a vu dans le précédent épisode, la calamité frappera encore. Donc c'est une priorité que l'église cherche et détruise tous les datadisques et autres dangereuses reliques. Avec l'aide de différents chercheurs de ruines. Donc je peux vous le donner. Oui, oui, vas-y, donne. L'église te récompensera pour tes efforts. On a une grande collection de commandes de technologies vertes que nous avons appris à travers les âges. Attends un instant, je sais à quoi ça ressemble. L'église n'est pas contre l'utilisation de bonnes technologies, pardon, je vais y arriver, qui peuvent amener Telesis ou Your Society, je sais pas ce que c'est que la Telesis, excusez-moi. Nous sommes uniquement contre les dangereuses technologies. Ouais, qu'est-ce que vous avez comme technologie verte? Principalement des graines spéciales, tu vois. Non, je sais pas comment on plante des choses, justement, je veux savoir. Mais tu pourrais pas me le dire, là il est en train de m'envoyer vers Emily. Je prends le disque et je te donne des graines en échange. J'ai l'impression de te faire baiser sur ce coup-là. When you discover more disques, quand tu découvriras plus de disques, ramène-les nous et on te donnera encore plus de graines. Wouah, comment c'était pas ce qui était prévu? Alors j'en ai un deuxième, on va pas le donner tout de suite. C'était là. On va aller creuser d'abord. Dans la mine, dans la mine, dans la mine, mine, mine. Regardez, 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 regardez. Là, la pierre est bleue, classique. Et regardez là, elle est plus marron. Et regardez ce que je drop dedans. Du cuivre, en fait. Wouah, fallait le savoir. Alors là, il y a aussi autre chose, apparemment.
Et apparemment, je ne peux pas passer. Ça doit être les limites. Ça doit être une limite, genre la bedrock, tout ça. Wouhou, level 5, génial. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme point? Niveau 5. J'ai envie de mettre plus de stamina. Plus de stamina, n'ayons pas peur. Pour l'instant, on n'a pas de combat. Et s'il y a des combats, on fera gaffe, tant pis. Hein. Bon, on est à 19, chers amis, on va se rentrer. 19 d'énergie, vous savez, l'énergie permet de faire des choses dans la journée. Alors, on est censé faire 3 Copper Blade. Voyons voir si on peut les faire. Ouah, il faut du bois. Ouah, c'est bien fait. Il faut du bois pour faire fonctionner le four. Et j'ai plus que 19. Du coup, j'ai d'attendre. Ouah, je savais pas. Je ne savais pas. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Ok, c'est le matin. Faut que je me réveille aussi. Hein. Hop. On sort. Est-ce qu'on va avoir une autre mission encore? Directement postée devant chez nous? Non. Bon, on va chercher du bois, du coup. Ok, on a trouvé la fameuse Emily. Comment on farm? Enfin, comment on plante? Faut planter, tout simplement, des planter box. Planter les trucs. Ok, d'accord. Ok, elle m'a pris pour un con. Faut pas... Comment tu veux planter des choses? Bah, tu construis une boîte à planter. Ok. Et moi, c'est pas comme ça que je veux faire. Moi, je veux juste planter les graines. Ok, on y est. Alors, est-ce qu'on ferait pas mieux de commencer à faire le bridge, le fameux bridge, vous savez, ici. Hop, handbook. Ici. Vu qu'il nous faut, vous voyez, du... Il va nous en falloir 2 comme ça et 1 comme ça, j'imagine. 60. Et 36, ça fait à peu près 96, normalement. Combien j'en ai, moi, de cuivre? 70. Ah, on va aller farmer. Ouais, on a level up. Génial. On est donc passé niveau 6. Ce qui veut dire qu'ici, on va enfin débloquer au rang suivant ces skill points là. Et je pense qu'on va partir sur 1 ou 2 ici. Ce qui peut être génial. Va nous permettre d'avancer aussi, encore une fois, au niveau de notre... Merde, j'ai oublié d'appliquer. De notre personnage en termes de récupération de ressources, qui pour l'instant semble être la base du jeu, donc autant s'arrêter. Alors pourquoi je farme autant le cuivre? Tout simplement parce qu'en fait, vous avez pu voir dans le précédent épisode qu'il nous faudrait donc du bois dur. Il faudrait taper dans les grands arbres. Quand je tape dans les grands arbres, ça me dit que ma hache n'est pas assez bonne. Il faut donc que j'augmente ma hache avant d'augmenter tout ça. Et les haches à augmenter, il y a des haches en fait en cuivre. Et il me semble qu'il y a des haches aussi. Un instant. Voilà. En bronze. Voilà. On a la niveau 1. Là, il faut une worktable de niveau 2, parce que je ne sais pas encore ce que c'est. Mais on a la bronze axe, ici, qui devrait peut-être être suffisante pour taper dans les plus gros arbres. Alors, la seule chose qui est moins géniale, c'est qu'on doive, en fait... Ah tiens, un coffre. Boum! Ah non, même pas, j'ai même pas le robot high kick. Quoi? Des chips de pommes, vous savez, la pomme lisse, je crois que ça s'appelle la marque. C'est pas bon, mais ça coûte cher. Enfin bon. Je sais plus ce que je disais. Oui, c'est qu'on va perdre des composants à le faire, en fait, simplement. Allez, ah, c'est bon. Tac. Et sérieux, quand tu me dis que ça va mettre 2h30 à le faire... Un jour et une heure. Ouais. Ok. Intéressant sur le principe. Alors attendez, du coup. Voilà. Si je veux faire ça, par exemple. Il va falloir un upgrade kit. De la part de Total Tools. Bah, on va aller voir ça. Alors la ville est gigantesque, hein. C'est-à-dire que là-bas, il y a le centre communautaire. Là, on est dans le truc, entre guillemets, un peu plus vivant. Alors, je sais pas si tout est fonctionnel, mais incroyable. Bonjour. Total Tools. Ça coûte 248. J'ai 999. Le prix a légèrement baissé. Ok, bah écoute, je vais t'en prendre un.
Comment je te l'achète? Ah, j'ai pas assez, parce que j'ai que 148. D'accord, ok. Que tu veux de la sauce salade? Oui. Est-ce que tu veux de la laitue? Oui. Que tu veux des snake berries? Oui. Que tu veux des verres? Ça me rapporte rien. Que tu veux des pommes? Ça s'est coûté la peau du cul, je disais. Hop. Que j'ai suffisamment? Oh, il manque deux pièces! Quoi ça? C'est quoi ça? Cinq valent une? Wouah! Moi, j'ai l'impression de me faire avoir sur ce coup-là. Allez, fais péter. J'en prends un, merci. Wouah, il m'a arnaqué sur ce coup-là. Wouah, je viens de remarquer que... Regardez, je viens de remarquer aussi. J'en ai encore pour 22 heures parce que j'en ai récupéré une. Sauf que j'ai pas assez de fuel dès le départ. 22h14, il faudra encore que j'en rajoute demain matin. Bon bah, au dodo. Ah, je savais que je pourrais la mettre quelque part. Ah là. Même, je devrais peut-être même la mettre en extérieur. Je sais pas comment. Ah oui, avec la hache. Ah, ça me rapporte de la stamina. Ah, bah je te laisse alors. Hop. Hack. Dommage qu'il soit. Customize, genre. Oh, la couleur. Voilà. Cool. Oh dodo. Bon bah ça c'est fait. Est-ce que j'ai des choses à ranger entre temps? Ça, je sais pas quoi ça me sert pour l'instant. Je vais attendre. Ça aussi. Les ressources, je vais les garder quand même. Voyons pas trop fou quand même. Ce serait stupide. Alors, où ça en est? Bonjour. Permettez, j'ai du boulot. Ok. Refuel. Voilà, vas-y, fais péter. Bronze barre. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je suis en train de faire le truc pour crafter les disques. Mais pas du tout les trucs qu'il faut pour crafter les... Le bronze en fait. C'est le bronze que j'aurais dû crafter. Cancel. Yes. Je sais pas si ça m'a coûté quelque chose, mais... Craft-moi ça plutôt. Hop. Et j'en ai pour... 3 heures! Génial! Oh, tu m'en as crafté qu'une? Voilà! Ok, bon bah ça c'est fait. Du coup. Les disques. Copper Blade, il faut que j'aille sur un grinder. Le grinder. 10 stones pour 2 grinding stones et 2 old parts que je n'ai pas trouvé. Ah merde, je les ai vendus. J'aurais pas dû. Faut que j'aille voir s'il les a encore. Et 3 copper bars. Ah, faut que j'aille voir s'il les a encore. Bonjour. À toi encore. Ah, tu n'as plus ce que je t'ai donné. Bon, bah, on va les miner. Hein, tant pis, c'est pas grave. Ok, j'ai les old parts. Je suis crevé, mais j'ai les old parts. C'est pas grave. Il va me falloir les grinding stones, c'est ça? Attends. Handbook. 2 grinding stone. 2 old parts et 3 copper bars. Tout ça, je l'ai. C'est génial. Pas besoin de 10. Juste 2, ça va suffire. Merci. Hack. Build. Hop. Ah, c'est vrai. Autant pour moi.
Crac. Crac. Hop. Hop. Hop les. Yal. Merci. Alors, on l'a récupéré en 6. Hack. Ce qui veut dire que là, il m'en faut 3. Ce qui veut dire qu'il m'en faut 6 trucs au total. Et j'ai enfin un truc pour les Power Stone. D'accord, c'est de l'énergie donc. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce que je peux faire avec une bronze, une seule bronze barre? Il m'en faut 3, donc je peux rien faire pour le moment. J'ai vu qu'il me disait d'aller améliorer. Regardez. Non? Et où c'est là? Upgrade the work table à at AG Construction. Donc j'imagine qu'il faudrait que je cherche ça quelque part. Intéressant ça. Intéressant. Ça aussi ça peut être intéressant plus tard. On va pouvoir le faire aussi, ça va être cool. On aura un maximum de barres. Mais avant ça, on va aller voir AG Constructions. Ok, on y est. Pas trop mal. On entre. Ça a l'air tout petit à côté des bâtiments administratifs. Oh, c'est adorable. Bonjour. Wow, ça coûte la peau du cul. Ok, ça met dans l'ambiance. Des wallpapers, pourquoi pas. Oui, ça coûte la peau du cul, mais pourquoi pas. Et je vois absolument pas ce que je recherche. Si, je pourrais réparer mes wooden trucs. Pourquoi pas, mais c'est pas ce que je recherche du tout. Je recherche... Ah, oh, c'est toi. Je t'avais pas reconnu. T'es un trou du cul. Catalogue. Oh. Wooden board, old parts et 2000 gold. Ok, au revoir. Pour l'instant, c'est pas possible. Je rack déjà suffisamment comme ça. Allez, il y a deux coffres là et là. Je sais pas du tout comment on les atteint. Comment par la toiture d'un de ces bâtiments. Oh. Oh. Merci. Merci pour tout l'or du monde. Ah ah. Ah. J'ai raté. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donne-moi les baies. Comment je les mange, je ne sais pas. Je peux les manger ou pas? Non. Gardez, tant pis. C'est pas grave. Yo, on a une deuxième. Seulement une deuxième, mais c'est long, dit-elle. On va aller voir là où il y a le... Là on est censé faire le pont. On va bien voir. Il y a un géant là-bas ou c'est moi? Il y a du caca là ou c'est moi? Mais là-bas c'est un géant, on est d'accord. Un lama? Il devrait être mort. Bon. Allons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, bonjour! Bonjour! Ok. Il a pas l'air plus sympa que ça, mais bon. Niveau 9. Oh, c'est des monstres à taper! Ok. Ok, ok, pourquoi pas? C'est des monstres à taper, en fait, tout simplement. Je pourrais combattre des lamas si je le souhaitais. Dit-il en se tenant sa hache. Quelle mère!
Allez, frappe. Frappe. Et frappe. Mais t'es nul. Frappe. Mais frappe, bon Dieu. Mais what? Waouh, c'est très bizarre le combat. Mais bon, j'ai chopé de la viande. Donc j'imagine que c'est là qu'on va mettre le... Voilà, le pont. Allez, frappe! Montre-nous à quel point tu es balèze! Voilà. Et non, c'est pas hyper méga dynamique comme combat. Quoi, tu es niveau 2, mais ça me fait pas peur. Ça me fait... Viens là! Allez! Mais putain. Je sais pas ce que c'est que ce système de combat, mais c'est très bizarre. J'ai l'impression que je peux pas enchaîner plus de 2 coups. C'est ça, hein, pour éviter d'avoir à se battre avec la hache. Je sais pas. Bon, retournons à la maison. Voyons voir si on a réussi à faire le bronze. Oui, on a du bronze. On peut donc se faire une hache. Wouhou! Oui. Merci. Ça veut dire que je peux couper ces arbres-là? Oui. Allez. Pourquoi tu t'arrêtes? Et bon. Il est parti. Ouah! Hardwood 2! Alors j'espère que ça m'a pas pété l'arbre, vous savez, jusqu'à jamais. On reviendra là demain, on verra bien. Et le lendemain matin, elle se rendit compte que si, ça avait complètement pété l'arbre. D'accord, ok, pourquoi pas, c'est comme ça, c'est dommage. Je récupère encore ça, merci. Et je devrais pouvoir faire aussi la pioche. Ah non, parce que j'ai pas ça, effectivement. Par contre, me dis pas que j'ai pas les bronze barres, je viens de les récupérer. What? Non, j'en ai récupéré 3. Ah, j'avais peut-être plus la place de le récupérer. De tout ce caca là que j'ai. Alors j'espère que je les ai pas perdus. Non, c'est bon, je les ai récupérés. Cool. Cool, 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 cool. Il ne reste plus qu'un upgrade kit à avoir ici. Ok. Ok. Là, on n'est pas prêt de les avoir. Et là, on a une autre lettre. Donc, nous avons une annonce importante à faire ce soir. Auprès du feu de la Peach Plaza, essayez d'être pour 7h ce soir. Mère Gale. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour ce début d'aventure. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Voilà. Salut les gens. Et yop.